Elle s'est remise dans le sens Grain qui va frapper. Attention, c'est sorti par le gardien Bastier vers Maxime Aubois qui va dégager son équipe. Mais c'est récupéré par Jonathan Rivas. Marouani. Marouani qui peut essayer d'aller servir Grain. Grain et sa vitesse. Grain qui va peut-être pouvoir aller resservir Boudère. Balle et à frapper. Oh, la parade de Milo Savljević sur cette tentative de Grain. Allez, le ballon avec Amadi Yair une fois qui peut aller chercher Grain. La frappe de Grain. Oh, ça va passer une fois à côté. Et c'est finalement récupéré par Jonathan Rivas. Rivas qui va chercher de l'autre côté Bouderbal. Avec Bouderbal. Quel contrôle de Bouderbal. L'équipe va resservir Grain. Grain dans la surface de la passe. La frappe. Oh, ça va être sorti par Milo Savljević. Quelle parade. Allez. C'est pour qui? Ça va être pour Kropanez. Oh, la frappe. Oh, ça va taper la barre de Maxime Aubois. Quelle frappe. Rafik Bouderbal. Qui va changer le jeu là-bas. Il y a Jordan Pierschall qui est disponible sur le côté. Jordan Pierschall qui va peut-être pouvoir centrer dans cette surface de réparation. Il y a du monde. Il y a notamment Grain qui s'est retourné. Oh, la parade une nouvelle fois de Milo Savljević. Qui était un petit peu pris à contre-pied. Avec Grain. Grain qui va tenter peut-être un petit peu de soutien. Il va tenter sa chance finalement. Et ça va une nouvelle fois dans les bras de Milo Savljević. Ça va sûrement être la mi-temps. Voilà qui est fait ici du côté du Stade Balmont. 0-0 entre Bastia et Lyon-la-Duchère. Et qui a peut-être donné une occasion au Duchérois de centrer avec Jordan Pierre-Charles dans cette surface. Ça va revenir. Second poteau, la frappe qui va passer au-dessus des buts. Allez, Milo Savljević qui va dégager son équipe. Et voilà qui est fait. 0-0 entre Lyon-la-Duchère et Bastia.